Bonjour les petits loups. Aujourd'hui, on va faire des muffins au Nutella. Vous allez voir, c'est super. On va prendre 2 œufs. Je rajoute 180 g de sucre. Et là, on va bien mélanger le tout. Vous pouvez le faire en robot ou à la main. Hein. Moi, je vais le faire vite fait à la main. Ça m'évitera d'avoir plein de choses à laver. Voilà, ensuite je vais mettre pour 200 millilitres d'huile. Moi j'ai mis de l'huile, vous pouvez mettre du beurre, vous mettez ce que vous avez à la maison. Ensuite je mets 200 millilitres de lait et on mélange bien le tout. Je mets une levure. Je vais mettre de la vanille. C'est l'équivalent d'un sachet. Donc, ensuite, on mélange le tout. Et là, on va y incorporer la farine. Voilà. Là, je vais mettre la farine au fur et à mesure. En même temps, je vais mélanger. Et je vous dirai à la fin, j'ai mis combien de farine. Voilà, moi j'ai mis pour 310 g de farine. Après, c'est à vous de voir votre pâte. Hein. Voilà comment elle doit être. Donc, voilà. Après, moi, je vais me faciliter la vie. J'ai ce petit appareil. Je vais mettre ça dans mon petit appareil. Ça sera plus facile pour moi de mettre ça ensuite. Autrefois, ma soeur ne voulait pas de cet appareil. Mais pour moi, c'est plus pratique. Voilà, et là, je referme. Je vous remercie pour tous les bons commentaires que vous avez fait pour moi et ma soeur. Vous avez été géniaux, génial, super beau, super gentil. On en fera d'autres, des vidéos ensemble, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous prenez votre moule, ou si vous n'avez pas de moule, si vous n'avez pas de... si vous n'avez pas ce genre de papier, vous mettez un peu d'huile, vous huilez juste un petit peu. Voilà, c'est tout. Donc moi j'ai pas huilé parce que j'ai déjà mis du petit papier. Donc ensuite je prends mon appareil comme ça que j'appuie bien. Donc voilà. Là je remplis. Je remplis juste à moitié. Voilà. Donc voilà, ensuite on va prendre de la pâte à tartiner qu'on va mettre comme ça au milieu. Tout dépend de la quantité, si vous aimez qu'il y en a beaucoup ou pas. C'est à vous de voir la quantité de Nutella que vous voulez, si vous voulez en mettre beaucoup ou pas. Voilà, moi j'ai pris de la Nutella bio. J'ai pris ça. Bon après c'est une Nutella, vous prenez une Nutella que vous avez, hein. Voilà, j'en mets bien partout. Voilà, là je suis en train de préchauffer mon four à 180 degrés. Il faut bien préchauffer votre four. Là je vais mettre la dernière. Voilà. Après, j'ai pas oublié d'en mettre autant. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, je reprends ma pâte et je vais la mettre par-dessus. Voilà, comme ça. Donc voilà, j'en mets partout, tout. Surtout ne trop, pas trop. Remarque, faut pas trop les remplir parce qu'ils vont gonfler. Mais en même temps, il faut les remplir quand même. Hein. Voilà, là j'ai fini. Je voudrais faire aussi un gros bisou et une grosse dédicace à tous mes abonnés. Je ne peux pas vous dire vos noms parce que vous êtes tellement nombreux que je vous aime, je vous adore. Et je vais dire je vous aime. Et là je vais enfourner tout ça à 180... oui, à 180 degrés. Voilà les petits loups. Ils sont sortis du four. Là je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu. Moi j'en ai pour 20 minutes de cuisson. Voilà mes petits muffins, on va en prendre un au hasard, vous voyez, voir ce que ça donne.
Bon, on va en couper un. C'est un peu chaud. J'aurais dû enlever le papier avant, mais bon, j'ai pas enlevé le papier. Donc, voyez voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est les petits muffins au chocolat. Donc, les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, commenter, partager. Bye bye, les petits loups. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon appétit!